La guerre entrait dans une phase nouvelle. Elle allait devenir totale, engager toutes les ressources du pays. Cher Président, toute défaillance d'essence causerait la paralysie brusque de nos armées et pourrait nous acculer à une paix inacceptable pour les Alliés. Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante, à l'heure du suprême choc germanique, possède l'essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain. Georges Clemenceau, président du Conseil, au président américain Wilson. Quand je regarde l'histoire de Total, c'est près de un peu plus de 80 ans, Total a toujours contribué à assurer l'indépendance énergétique de la France. La fin de l'année 1917, la France s'est trouvée courte en produits pétroliers, a dû faire appel aux Américains pour nous envoyer le plus rapidement 100 000 tonnes de produits pétroliers pour permettre la victoire des Alliés en 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'industrie pétrolière est essentiellement américaine. Les États-Unis dominent très largement la production de pétrole du monde. Ils produisent à peu près 70% du pétrole mondial. Et donc, ils dominent non seulement dans leur pays, mais ils dominent aussi à l'extérieur de leur pays. La Belgique est un pays qui avait connu un essor industriel exceptionnel, et probablement que la Première Guerre mondiale a mis fin à cet essor et que les gens se sont préparés à quelque chose d'autre, fortement lié aux découvertes pétrolières. Le président des pétroliers français a écrit une note à Clemenceau pour attirer son attention sur la nécessité de mettre en place une politique pétrolière et surtout d'essayer d'obtenir, au même titre que les Alliés, que la participation de la Deutsche Bank dans la Turkish Petroleum Company puisse être dévolue à la France. C'est là où est intervenu le fameux Kalust Gulbenkian, un Arménien né à Istanbul, et c'est lui qui réussit à mettre tout le monde d'accord. Il est arrivé à ce qu'on crée la Turkish Petroleum Company, 25% pour la Deutsche Bank, 25% pour Shell et 50% pour l'Anglo-Persian. Or, simplement, ce monsieur ne s'est pas oublié au passage et il a bénéficié de 5% des droits financiers de la Turkish Petroleum Company. Les Français ont obtenu que la part de la Deutsche Bank dans la Turkish Petroleum Company leur soit attribuée. C'était l'objet de ce qu'on appelle le traité de San Remo, qui était signé le 24 avril 1920. Le gouvernement désire voir se constituer un groupe national de pétrole. La société devra donc être essentiellement française et demeurer complètement indépendante. Elle s'efforcera de développer une production de pétrole à contrôle français dans les différentes régions productrices. Raymond Poincaré à Monsieur Ernest Mercier. Il devrait y avoir une rue Ernest Mercier dans toutes les grandes villes de France. Il a été à la tête de ce qui va devenir EDF, il a été à la tête de la CFP, il est le père fondateur du capitalisme français. La CFP est créée le 28 mars 1924. Fondamentalement, tout est parti de là. 90 ans plus tard, la CFP est devenue le groupe Total tel qu'on le connaît aujourd'hui. La compagnie financière belge des pétroles est une compagnie qui est basée à Anvers, qui avait comme seul but d'obtenir un rendement financier de l'activité pétrolière qu'il pouvait générer. Et qui commence son aventure par le rachat de production pétrolière en Roumanie. The CFP, the Compagnie Française de Pétrole, start here, around us.
We were born in the Middle East. It started in the 20s, initially with the Turkish Petroleum Company, then with the Iraq Petroleum Company. But we were born here, and that is why we have a special relationship with this area.